Bonjour à tous. Rebonjour pour certains depuis ce matin. Donc avant de commencer le culte, nous avons effectivement toujours ce partage de louanges. Alors effectivement, pour nous tous, ou pour effectivement ceux qui font partie de la liturgie, la musique, les paroles, les sons, une mélodie, un air, tout ça c'est important pour nous parce qu'à travers ces expressions, nous faisons passer notre foi. Il nous arrive à nous tous les jours, à vous comme à moi, de pouvoir par exemple le matin fredonner un air. Quand par exemple on est dans sa cuisine, on va fredonner un air. Quand on va peut-être prendre son bus ou quand il y a un examen qui va passer, on va peut-être fredonner un air. Quand on est dans sa voiture, on va ouvrir la radio, on va écouter un morceau. Tout ça pour vous dire qu'en réalité la musique elle est toujours partout. Elle est toujours partout. Alors je vais vous demander un petit exercice. Est-ce que vous avez déjà essayé de suivre un film en retirant le son? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé? Oui, d'accord. Alors, il y a une personne qui a essayé parce qu'elle voulait savoir ce que ressentaient les gens qui n'entendaient pas. Donc ça, déjà, elle a essayé. Puis la deuxième, elle a voulu tester et elle s'est aperçue que le film sans musique, c'est vide. Ça manque d'énergie, ça manque d'expression, ça manque d'émotion et de sentiments. Ça, c'est déjà une première chose. Et puis, il n'y a pas longtemps, il y a eu des cérémonies d'Oscar. Et dans les cérémonies d'Oscar, vous avez des meilleurs acteurs, les meilleurs films, etc. Mais vous avez surtout un prix qui est dédié aussi à la musique. Pourquoi ? Parce que la musique, sur une image, la musique va donner de la vie. Et aujourd'hui, ce qu'on voudrait, avec vous, tous ensemble, c'est que la foi que vous avez, l'amour que vous avez, les sentiments, les émotions que vous avez pour Jésus, parce que chaque jour, il vous accompagne, vous puissiez le passer à travers les chants que nous allons prendre avec vous. Que vous puissiez lâcher prise et laisser Dieu rentrer dans vos cœurs. Je vous invite à prendre donc le premier chant. Nous te bénissons Seigneur.
vous et nous allons chanter à ce Dieu qui est fidèle en toutes choses. À jamais tu es fidèle. Les cieux proclament la gloire du ressuscité.
Éternel notre Dieu, toi le Tout-Puissant, notre Père Saint qui est dans les cieux, à toi soit toute la louer, à toi soit toute la louange, toute l'honneur et toute la gloire. Seigneur, merci. Merci en ce matin de nous avoir accompagnés. Merci en ce matin de nous avoir réveillés. Merci en ce matin de nous permettre à chacun de pouvoir suivre sur le net ou de pouvoir être ici, présentement, au sein de cette communauté. Père Saint, nous élevons à toi nos cœurs, nos êtres tout entiers, pour qu'une transformation soit opérée par toi seul, pour que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit et que tu nous donnes une paix que toi seul peux donner. Oh oui, Père, tu nous le dis dans ta parole, Philippiens 4:4, réjouissez-vous. Oui, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors Seigneur, que ta volonté soit faite dans notre vie. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bonjour à tous. Alors, vous asseoir. Durant ce mois de la jeunesse, les aînés, les bourgeons, les compagnons, les tisons, on peut vous souhaiter une cordiale bienvenue. Aujourd'hui, pour conclure ce mois de la jeunesse, les explorateurs vous souhaitent une chaleuse et cordiale bienvenue. Que vous venez de loin des îles ou de l'Europe, ou que vous venez de près, les membres de Puisepontoise et les autres églises en Île-de-France et en France. Sentez-vous ici comme à la maison. Donc, comme le dit Jésus, là où deux sont réunis, il est au milieu de nous. Nous sommes plus que deux, alors notre Père est avec nous.
Nous allons prendre Seigneur, pardon Seigneur, le gemme 642. Avant de passer à la prière d'adoration, de remerciement, je voudrais vous donner les nouvelles d'une famille qui pense beaucoup à nous, c'est la famille Alfred. Vous savez que le frère Alfred, ancien d'église, et son épouse se trouvent en Martinique, et ils pensent beaucoup à nous, et la sœur Solange m'a demandé de transmettre à l'église ce message, je vous aime beaucoup. Bien voilà. Alors je voulais justement vous le dire avant de prier parce que ce soit en Martinique, à La Réunion, en Afrique, en Australie, chez nous, les gens se lèvent très tôt pour nous voir et pour partager avec nous ce moment d'adoration. Bien, je vous invite donc à vous mettre à genoux pour ceux qui sont disponibles de vous mettre à genoux avec moi. Nous allons priez le Seigneur. Ô toi, Seigneur, qui vis et qui règne au siècle des siècles, à toi, Seigneur, nos louanges, notre adoration. Oui, Seigneur, nous te présentons en ce matin nos vies, nos cœurs. Nous te présentons, Seigneur, tout ce que nous sommes. Merci pour la semaine que tu nous as permis de passer. Merci pour ton amour et ta grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui, que ton règne vienne et que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce pain que tu nous as préparé par ta servante, notre pasteur, Karine. Merci Seigneur de lui donner les mots. Ton soutien est là, nous savons, car elle est inspirée par ton Esprit Saint, tout comme chacun d'entre nous. Et comme notre frère Evaël,
nous a dit, là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Tu es donc au milieu de nous. Nous te demandons donc, Seigneur, pardon pour les fautes que nous avons commises et merci. Merci, Seigneur, de passer ta main bienveillante sur chacun d'entre nous. Donne-nous, oui, Seigneur, aujourd'hui, ce pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, Seigneur, et les paroles sont lourdes de conséquences, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas donc, Seigneur, à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Service de fidélité. Dans Psaume 50, verset 12, il est écrit : Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde m'appartient avec tout ce qui s'y trouve. Puisque Dieu possède tout, il n'a pas besoin de notre argent, mais nous avons besoin de donner. Nous ne donnons pas parce qu'il est pauvre, nous donnons parce qu'en le faisant, nous lui obéissons. Donner à Dieu nous aide à maintenir notre vie en règle et à nous rappeler qu'il est et qui nous sommes. Il nous instruit dans Proverbes 3, versets 9 à 10, à honorer le Seigneur avec nos biens et avec les prémices de toutes nos récoltes. Alors nos granges seront remplies d'abondance et nos cuves déborderont de vin. Donner est une clé pour déverrouiller les bénédictions de Dieu dans notre vie. Bien que Dieu n'ait pas besoin de notre argent, l'argent est utile pour la mission qu'il nous a confiée sur la terre. Quand nous lui apportons nos dons, nous aidons à étendre son royaume à travers son Église. Alors que nous retournons la dîme de Dieu et que nous lui apportons nos offrandes aujourd'hui, nous ne donnons pas à contre-cœur, mais de tout cœur, avec un cœur joyeux, en sachant que nous stockons pour nous-mêmes des trésors dans les cieux en investissant son œuvre. Père céleste, reçois ces dîmes et ces offrandes, qu'elles soient utilisées pour ta gloire, pour faire avancer ton œuvre. Amen. J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes et nous allons chanter le chant approprié.
n'oublie pas pour nous rendre heureux. Nous allons passer maintenant à l'histoire pour les enfants. Enfants, bonjour les parents. Alors, comment ça va? Alors aujourd'hui, on va parler d'une histoire. C'est un homme qui tient une ferme. C'est quoi une ferme? C'est une fille. Une ferme. Eh ben, il y a des animaux dedans. Alors une ferme, c'est un endroit où il y a plein d'animaux. Ils sont tous dedans. Alors, le fermier avait plein d'animaux
mais il y a un animal qu'il préférait par-dessus tous les autres. C'était une petite poule, toute rousse, qui s'appelait Roussette. Elle avait plein de petits poussins. Ils étaient tout mignons. C'était des toutes petites, petites poules de poils jaunes. Vous savez, c'est quoi des petits poussins? Alors, le fermier s'occupait de donner à manger aux petits poussins et la poule s'occupait d'eux tous les jours. Mais un soir, il y a eu un accident. Il y a eu le feu dans la ferme. Le poulailler était brûlé. Et le lendemain matin, le fermier se rendit compte que tout était brûlé. Il n'y avait plus de poulailler et la ferme était en cendres. Alors, il rassembla tous les animaux. Mais il se rendit compte qu'il manquait la poule. Donc il chercha la poule partout, partout, partout. Et il vit un petit âne noir qui bougeait, qui allait par-ci, par-là. Ensuite, il prit un bâton et retourna le tas de cendres. Et il vit sortir... Qu'est-ce qu'il vit sortir? La poule. Non. Qu'est-ce qu'il vit sortir à ton avis? C'est tout petit, petit, petit. Plein de petits poussins. Plein de petits poussins, 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 poussins qui marchaient partout, 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 partout. Qui s'étaient tous éparpillés. Ils marchaient partout, partout, partout. Et à votre avis, c'était quoi le tas de cendres? Oui. Je crois que c'était... À la ferme. Non, c'était la poule qui avait protégé ses petits poussins sous ses ailes. Elle voulait les protéger. Donc elle s'est mise par-dessus eux, elle les a protégés avec ses ailes et a donné sa vie pour les protéger. Tiens, ça me rappelle une histoire. Quelqu'un qui nous a donné sa vie. Vous savez c'est qui? Non. Aussi. Mais il y a une histoire que vous connaissez. Quelqu'un qui nous a donné sa vie. Jésus? Oui. Jésus nous a donné sa vie pour qu'on ait la vie éternelle, pour qu'on soit délivré de nos péchés. Maintenant, nous allons lire un verset. Matthieu 23, versets 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison, vous serez laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vit au nom du Seigneur. » Amen. Merci, Cour. Qui voudrait prier? Toi, tu veux prier? Tiens, tu sais prier? Alors, mets-toi debout. Tout le monde se met debout. Même les parents. On ne va pas rester assis quand même. Tu veux prier? Tiens. Merci Zizi pour la journée, papa, maman, Inès, Esteban, mamie, papy. Amen. Amen. Merci. Maintenant, vous pouvez rejoindre vos parents. Il faut leur dire qu'ils doivent se lever quand même. Thank you.
apporte le pardon. Je connais ce nom, de joie il m'a fait don. Si je le chante, telle en est la raison. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la Bible. Nous allons prendre dans 2 Pierre 1, versets 3 à 9. À 7, désolé. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la pitié. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, à la patience, à la patience, à la pitié. À la pitié, désolé.
à la piété, la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Nous arrivons donc au terme d'un mois, un mois de quoi au fait? Un mois de quoi tu disais toi? De paroles à la jeunesse ou de paroles de la jeunesse? Un mois, ce mois en fait, le mois de mars, dans toute la Fédération France Nord, est un mois adressé aux jeunes et fait par les jeunes. Et donc, nous avons eu les sabbats d'avant, comme il avait été dit le premier sabbat, des prédicateurs qui nous ont fortifiés par des messages, tout aussi poignants les uns que les autres, avec des thèmes différents les uns des autres, mais pour nous amener dans une continuité. Est-ce que vous avez vu, au moins, qu'il y avait un cheminement dans les messages qui étaient faits? Alors, si certains ne les ont pas vus, vous pourrez aller les reconsulter sur Internet. Mais il y avait bien une continuité dans ce qui avait été fait. Nous avons eu le premier sabbat Godwill, ton identité et tes codes. Son tissu est basé sur quoi? Ton identité et tes codes, son tissu est basé sur quoi? Wilfried a prêché sur les addictions, y a-t-il une solution? Mario a prêché sur le caractère altruiste, est-il présent encore aujourd'hui? Odelle a prêché sur les tentations, un cap infranchissable, point d'interrogation. Il y avait une trame de progression. Tout d'abord, on sort de sa zone de confort, on se questionne sur nos traditions. Ensuite, on sonde notre moi et notre environnement pour être libéré. Est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y en a. Puis, on fait le point sur le monde qui nous entoure et on se positionne. On se positionne. Et enfin, même si des doutes devaient persister, même si des attaques devaient arriver, on résiste. Et enfin, aujourd'hui, une question reste à se poser. Comment je me mets en marche et j'avance pas à pas? Comment je me mets en marche et j'avance pas à pas? Est-ce que nous sommes... Non, attendez, les jeunes. Est-ce que vous savez qu'une puissance veut être déversée sur vous? Vous savez ou pas? Il y en a qui savent, d'autres. Par ici, vous savez qu'il y a une puissance qui veut être déversée sur vous? Ouais, bof. Qui regarde des dessins animés? Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des super pouvoirs dedans? Oui, en général, hein. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, si je pouvais avoir ce pouvoir? Qui aurait aimé avoir un super pouvoir? Levez la main. Ah, il n'y a pas que des petits hein, qui auraient aimé. Il n'y a pas que des petits. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Empowerment, avec quel combustible j'affronte et j'avance pas à pas ?» Alors volontairement, « Empowerment », je vais l'expliquer après. Mais comment j'avance pas à pas? Et on va revenir à ce pouvoir. Inclinons la tête. Jésus, toi l'essentiel, prends le contrôle dans nos cœurs, diffuse ton Saint-Esprit et que notre moi se taise pour te laisser la place entièrement au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors vous savez, quand j'ai fait mes études donc à Trinité et Tobago, donc c'était une île, c'est une île en fait dans la Caraïbe anglophone. Et là-bas, quand je suis arrivée, j'entendais souvent dans les messages prêchés, mais aussi on me disait des phrases comme « May God empower you ». Alors pour ceux qui comprennent l'anglais, ils vont le traduire dans leur tête, les autres, j'y arrive. « God wants to empower you ». Ou alors, pendant les messages, « The Holy Spirit will empower you ».
Alors moi, je tentais de traduire. Alors que Dieu te empower. Dieu veut te empower. Le Saint-Esprit va te empower. Alors dans ce mot, empower, il y a power, qui veut dire pouvoir. Donc je me disais, bon, il y a un petit préfixe devant, là, un M, mais vu qu'il y a pouvoir, il doit vouloir faire un pouvoir, quelque chose avec moi. Ce mot empower, il vient en fait de l'anglais, bien sûr. Mais ça fait depuis des années qu'il existe, depuis 1960 qu'il est déjà sorti. Nous, il est arrivé bien plus tard en France, dans les années 2000. Et il est utilisé dans beaucoup de sphères différentes pour expliquer plusieurs choses. Et là est la difficulté. Parce qu'en fait, beaucoup disent qu'il est intraduisible. Donc même au Canada, par exemple, ils vont utiliser le mot, ceux qui sont francophones, vont utiliser le mot « empower ». Nous, on voit moins l'utiliser parce que, bon, voilà, on est français, francophone. Mais en fait, il n'y a pas de traduction réelle pour ce mot. Certains s'y sont tentés. Alors, ils disent, et là le français, la capacitation. Mais ce sont des psychologues et d'autres personnes, hein, d'accord, qui étudient le comportement, qui étudient le comportement. Alors, l'attribution de pouvoir. Alors que l'attribution de pouvoir, que Dieu par l'attribution du pouvoir, bon, ça fait long quand même, quand on veut dire quelque chose. L'obtention du pouvoir, le pouvoir d'agir, le pouvoir d'action, une puissance d'agir, une autonomisation, un renforcement du pouvoir. C'est compliqué, hein, tout ça. Ouais, c'est compliqué pour un mot. Hein, pour un mot. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce mot, oui, c'est lié au pouvoir. Et ce que cela nous dit, c'est que c'est un état, donc le mot, hein, ce petit mot regroupe avoir du pouvoir, un état, un processus d'apprentissage, acquérir du pouvoir et une dynamique, exercer le pouvoir. Donc dans un mot, j'ai le pouvoir, je l'exerce et je le vis constamment. Empower. Je regardais en fait une vidéo d'un professeur de philosophie qui a fait un exercice avec ses élèves. Il est venu avec un vase vide. Le vase était vide. Et il leur demande, comment est ce vase? Alors tout le monde dit, bah vide. Logique. Alors vous savez, les élèves, c'est le professeur de philosophie, ils essaient de se dire, bon, où est-ce qu'il veut nous amener? Il a pris alors des balles de golf. Et il a rempli le vase avec les balles de golf. Et il leur a demandé là, comment il est ce vase? Bah, il est plein. Il a dit, il est plein, c'est ça? Oui, oui, il est plein. Bah oui, il est plein. On ne peut plus rien mettre. Les balles ont rempli le vase. D'accord. Il prend un verre avec des graviers. Il le verse dans le vase. Les graviers passent le long des petites balles. Et il leur dit, est-ce que là, il est plein? Bah oui. Il prend un verre avec du sable. Et il le verse dans le vase. Et le sable passe entre les graviers, entre les balles, et remplit le vase. Et là, il est recouvert. Et là, il leur demande, est-ce qu'il est plein? Et il leur dit, ils disent, bah, oui, il est plein. Et là, il prend un verre d'eau, et il verse l'eau dessus. Et là, il leur demande, et est-ce qu'il est plein encore? Et là, ils répondent encore, oui, bah, oui, il est plein. Ce professeur a voulu expliquer une chose à ses élèves. Quelles sont les priorités dans leur vie? S'ils avaient rempli ce vase d'abord avec le sable, les graviers et l'eau, il n'y aurait pas de place pour mettre les balles. Les balles, ces grosses balles, représentent les choses importantes de notre vie. Ces choses qui ont le plus d'importance pour nous. Ces choses qui vont avoir un impact sur notre vie. Le sable, les petits graviers ou l'eau représentent les détails. Les détails de notre vie, mais qui parfois nous prennent plus de temps. Et là, ce qu'il leur disait, c'est que si vous ne choisissez pas les bonnes priorités dans votre vie, d'autres priorités sans importance prendront la place des choses importantes. Et ma question, pour chacun de nous ce matin-là, et là pour les jeunes, certains ont dit auraient aimé avoir un pouvoir. Qu'ils auraient aimé avoir un pouvoir. Moi, sincèrement, j'ai essayé quand j'étais jeune.
Alors, je ne connaissais pas l'Église, je ne connaissais pas ce que Dieu avait fait, enfin, ce que je connaissais Jésus, mais pas... On parle d'une réalité, d'un pouvoir, et on va y venir encore. Parce que peut-être qu'on l'entend un peu trop, mais que ça n'a pas de réalité pour nous, en fait. Donc, je connaissais Jésus, mais je lui demandais tout le temps des petites choses, des pains au chocolat, des choses, et puis je ne le voyais jamais le lendemain. Donc, bon, je me disais, bon, je ne sais pas. En attendant, il y avait une chose, c'est que je voyais ces séries constamment, ces dessins animés constamment, et il y avait un pouvoir. Moi, je me disais, ils ne peuvent pas faire autant de dessins animés et autant de séries sans se baser sur quelque chose. Ça doit exister, il doit y avoir un pouvoir de quelque chose. Alors, ça m'était arrivé des fois, en cours d'anglais au collège, de regarder mon stylo et de me dire que je vais le faire bouger. Des fois, j'avais l'impression de le voir bouger. Mais en fait, je me suis dit, non, faut pas que tu deviennes folle quand même. Il n'a pas bougé. J'essayais des fois de me dire que peut-être que ma pensée peut être très forte et que je peux essayer d'arriver à lire dans les pensées de quelqu'un ou arriver à transmettre ma pensée. Alors des fois, j'étais dans le bus et je regardais une personne et je me disais, peut-être qu'elle peut arriver à savoir ce que je pense ou lui transmettre une pensée. Mais ça ne fonctionnait pas non plus. Pour autant, comme je vous ai dit, je n'ai pas grandi dans l'église adventiste. J'ai pas grandi dans l'église adventiste et j'ai pas connu tout ce qu'on répète ici. Et je dis bien on répète parce que peut-être qu'on l'entend trop souvent. Mais par contre, quand j'ai découvert le message qui était ici, j'ai réalisé que oui, j'avais un pouvoir. Et il n'était pas juste de se transporter comme ça. Il n'était pas juste de déplacer un stylo. Ça, c'est le sable et les graviers, ça. Le pouvoir que j'avais, il représentait ces balles de ping-pong. Et il grandit de jour en jour. Je le vois s'exercer de jour en jour. Et je me dis, mais... Alors à chaque fois, je me dis, waouh, Seigneur, mais c'est énorme. Mais seulement, il y a une parole de la Bible qui nous dit, mais pourquoi t'étonnes-tu? Je vous ai dit que vous ferez ces choses. Revenons à notre texte, parce qu'on va y revenir à cette histoire. 2 Pierre 1:3. Et je vous invite à le prendre. 2 Pierre 1:3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science à la tempérance la patience la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Et le verset 8, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce mois-ci était notamment Jésus l'essentiel. Dans le texte qui est donné ici, Paul fait un appel. Mais ce n'est pas un appel qu'aux adultes. Lila, Paul ne fait pas un appel qu'aux adultes. N'est-ce pas? Pierre. Quand Pierre il parle ici, il ne fait pas un appel qu'aux adultes. Il fait un appel à chacun de nous. Et il dit ici, il dit ici que nous avons besoin d'une transformation dans notre vie. Mais elle vient progressivement. Il y a un pouvoir qui veut s'exercer. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer là, comme ce matin. Vous savez, les jeunes, les enfants, alors que je préparais ce message, quand Mickaël m'a donné le titre, je me suis dit, génial. Empower, je savais déjà quelle était un peu la teneur. Et je me suis dit, ça va être quelque chose de fort, c'est génial. Et quand j'ai dû m'arrêter sur le message, alors là, il n'y avait rien de fort. Je lisais plein de passages et ils étaient tous puissants, mais rien qui me faisait dire, waouh, c'est ce message, c'est celui-là. Vous savez, quand on prépare un message comme ça, c'est comme quand vous allez ouvrir votre porte de la maison.
Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est ça? Quand vous avez trouvé le texte, vous êtes sûr que c'est celui-ci? Et bien là, il n'y avait pas ça. Et au bout d'un moment, je me suis arrêtée. Et là, j'ai entendu dans mon cœur. Mais le pouvoir en Christ, ça n'intéresse personne. Le pouvoir en Christ, ça n'intéresse personne, en réalité. Vous savez ce qui nous intéresse, nous, hein, les jeunes? Ce qui nous intéresse, c'est de connaître qu'il y a un Jésus. Il pourra m'aider pendant les examens. Il pourra aider mes parents. Il pourra me donner une bonne santé. Il pourra me permettre d'avoir des bonnes notes. Il pourra me faire avoir une situation. Il pourra me sortir de mes problèmes. Ça nous intéresse, ouais. Il y a autre chose qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais avoir un bon travail? Est-ce que je vais avoir de l'argent? Est-ce que j'aurai quelqu'un dans ma vie? Est-ce que... Ça nous intéresse. Mais le pouvoir que Christ veut déverser sur nous, ça ne nous intéresse pas. Et je suis venue à réfléchir, mais pourquoi en fait? Pourquoi ça ne nous intéresse pas? Parce que si quelque chose vous intéresse vraiment, vous savez, je regardais, ça a été un exemple clair. Vous avez vu quand l'histoire des enfants a commencé? Moi, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup voir, enfin, tous les enfants, je les aime énormément. Il y en a un qui me marque parce qu'en fait, c'est Lucas. Lucas qui est au fond là-bas avec sa maman. Quand il était tout petit, ben, il était trop petit pour venir. Alors on le voyait comme ça avec sa tête, mais il ne pouvait pas marcher. Alors il fallait que quelqu'un l'amène. Mais il était tout le temps derrière. Et je peux vous assurer hein, que là, il est déjà prêt sur les jambes de sa maman. Il est debout, il regarde. Et quand on a dit c'est l'histoire des enfants, un petit sprint et il arrive devant. Mais on les voit tous hein, sortir des rangs et se mettre devant. Quand on veut vraiment quelque chose, on se donne les moyens pour l'obtenir. Quand on veut vraiment quelque chose, quand vous voulez avoir vos examens, vous allez vous donner les moyens, vous allez étudier pour l'avoir. Même si c'est au dernier moment. Mais vous vous dites, je ne peux pas refaire cette année. Vous allez travailler. Si vous voulez arriver à une compétition et être le premier, vous allez travailler. D'ailleurs, je rends gloire à Dieu parce que nous avons un orchestre à Pontoise. Amen. Il y en a d'autres qui vous regardaient, ils ont envie de vous rejoindre, je crois. Donc, gloire à Dieu, que Dieu vous fortifie dans ce merveilleux ministère que vous avez. Parce que oui, je le dis, chacun a un ministère. Et merci pour cette merveilleuse histoire. Tu as vraiment un don. Que Dieu t'utilise puissamment. Hein. Ils étaient tous captivés à ce que tu disais. Et le message était clair. Dieu veut déverser un pouvoir. Mais la réalité, c'est que nous ne lui laissons pas la place. Nous laissons le sable, les graviers, l'eau, et nous n'avons plus de place pour les balles de golf. Nous laissons tout le reste prendre la place de ce qui pourrait être le plus important. Et après, nous disons que nous voulons le pouvoir de Christ. Mais si c'est vraiment ce que nous voulons, nous mettons tout en place pour l'obtenir. Si je sais que je veux arriver premier à une course, je peux pas aller dans un fast-food tout le temps. Si je suis un marathonien, je peux pas rester à dormir. Si je veux avoir un travail, c'est pas sur mon canapé en me plaignant que j'ai pas de travail que je vais en avoir un. Quand on veut quelque chose, on se donne les moyens. Et c'est là où intervient ce qui est merveilleux et qui peut nous aider. Comme sa divine puissance. Le mot ici, puissance, et dans la Bible, il y a différents mots pour le puissance. Et c'est ça qui, parfois même dans notre monde, est difficile. Le mot puissance, pouvoir, dynamis, il y a deux mots en fait pour pouvoir. Il y a dynamis et exousia. Dynamis, c'est pouvoir. C'est pouvoir, la capacité. Exousia, c'est l'autorité. Parfois, nous confondons un peu les deux. Quand quelqu'un a une autorité, on dit qu'il a du pouvoir. Mais parfois, il a l'autorité, mais il n'est pas capable. Parfois, certains ont le pouvoir, mais ils n'ont pas du tout l'autorité. Ici, on nous parle de ce pouvoir qui nous donne l'autorité. Mais pas l'autorité sur les choses de ce monde. Hein. On pourra toujours essayer de vous insulter. On pourra toujours ne pas être d'accord avec vous. On pourra toujours essayer de vous faire du mal.
On parle d'une autorité qui agit dans le spirituel. Et ce qui agit dans le spirituel, ce sont les balles de golf. Alors ça peut être très difficile à comprendre parce que ça ne se voit pas. Comment je sais qu'il y a eu un impact ? Je ne le vois pas. Ça s'appelle la conviction. Parce que je sais que je l'ai demandé à Dieu. Je sais que j'agis en Dieu et que j'agis pour la gloire de Dieu. Alors vous savez une chose, et moi je m'en suis rendu compte un peu trop tard. Les enfants, aujourd'hui vous êtes à l'école et vous allez définir ce que vous voulez faire plus tard. D'accord ? Vous êtes, peut-être certains se posent la question, d'autres pas du tout. Moi je me rappelle, je me disais toujours, mais je ne peux pas redoubler une classe. Et je ne redoublerai pas, quoi qu'il arrive. Et je n'ai pas redoublé, hein, parce que j'avais dit je ne redoublerai pas. Mais arrivé à la faculté, après mon bac, on s'est un peu trompé d'orientation. Alors que je voulais fabriquer des produits cosmétiques, on m'a envoyée pour faire esthéticienne. L'école dans laquelle je me suis inscrite, c'est lors de la journée porte ouverte, qui était forcément après les inscriptions du bac, où là on me dit, donc j'entends pendant une heure, elle est en train de dire, bon ben on va faire les ongles, on va faire ceci, on va faire cela. Je la regarde et je me dis, mais quand est-ce qu'arrive la partie chimique, fabrication de produits, mélange, laboratoire, quand est-ce que ça arrive tout ça? Et là, donc, je vais vers une intervenante, je dis, excusez-moi, mais c'est quand la partie laboratoire? Elle me dit, oh, ça c'est minime en fait, vous aurez peut-être par semaine, peut-être une heure et encore. Je dis, mais attendez, c'est bien pour faire cosmétologie ici. Ah non! Ici, vous faites esthéticienne. Pardon ? Je dis, attendez, j'ai mon bac scientifique et ici, c'est quand on sort de CAP, c'est ça que vous êtes en train de me dire ? Et là, elle me dit, oui. Après, je dis, mais c'est pas ça que moi, je devais faire. Elle me dit, ah, écoutez, je sais vraiment pas. Donc, qu'est-ce que je fais ? Le lundi, je retourne voir ma conseillère d'orientation. Je lui dis, excusez-moi, mais l'école dans laquelle vous m'avez envoyée là, et vous m'avez certifié que c'était bon ? Mais en fait, la part laboratoire, elle est minime, puisque c'est surtout pour former des esthéticiennes. Ah oui, j'avais pas la brochure complète, parce qu'à l'époque, on n'avait pas Google comme maintenant, hein, c'était pas autant développé. Hein. Donc, il fallait vraiment aller appeler, c'était pas facile. Et là, elle me dit, ah oui, bah, écoutez, ce que je peux vous proposer, faites une année, et l'année prochaine, eh ben, vous retentez dans votre école. Je dis, mais j'ai pas que ça à faire, moi. Je dis, j'ai mes notes, j'ai mon dossier, je peux rentrer dans l'école et là, vous me dites que c'est trop tard. Oui, écoutez, non, vraiment, c'est pas possible, donc là, non. Donc, je me dis, bon, j'ai dit que je redoublerai pas. Donc, j'ai trouvé une autre solution. Ben, je vais à la faculté. Et là, il y avait deux choix. C'était droite, il y avait droit. Gauche, il y avait langue étrangère. Enfin, je vous le fais de votre côté. Et je me dis, j'ai toujours voulu faire avocate, peut-être. Peut-être que c'est une porte. Donc je me dirige de l'autre côté. Je dis, alors, ça se passe comment la première année? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on doit apprendre beaucoup? C'est du droit, il faut apprendre par cœur, c'est ça? Elle me dit, ah ouais, par contre, la première année, c'est que du par cœur. Il n'y a que ça? Elle me dit, oui. Je dis, bon, bah, c'est pas là alors. Et donc je vais de l'autre côté. Je vais en langue étrangère, je lui dis, est-ce qu'il faut apprendre par cœur? Elle me dit, non, c'est beaucoup en fait. Oui, il faut apprendre, mais c'est beaucoup de partage de langue étrangère, c'est beaucoup en fait d'apprentissage, etc. Je dis, bon, bah, ça me plaît bien, ça je veux bien. Et je commence là. En attendant l'année d'après, parce qu'en fait, avec le temps, vous rencontrez d'autres personnes. Aujourd'hui, vous vous fixez sur des choses qui sont du sable et des graviers. Parce que vous êtes en train de définir quelque chose où vous vous focalisez. Mais dans la réalité, plein de choses se définiront par la suite. Par la suite, en fait, j'ai pu commencer quelque part, mais j'ai fini totalement autre part. Parce que vous êtes dans un processus d'empowerment. Le processus d'empowerment veut dire quoi? Que petit à petit, je m'exerce pour arriver quelque part. J'ai une capacité, j'ai des dons. Et les dons qui sont donnés dans la Bible sont bien un pouvoir aussi. Même si vous en avez un, c'est un pouvoir qui est donné et c'est un don. Et il vous amène quelque part progressivement. J'ai réessayé l'année d'après de rentrer dans une école de cosmétologie. Et là, on m'a dit, vous êtes trop jeune. Il aurait fallu que vous ayez peut-être fait une année à l'étranger ou peut-être redoublé des classes
pour avoir un peu plus de maturité. Mes plans n'étaient pas les plans que Dieu avait pour moi. Moi, j'avais fixé quelque chose, mais ce n'était pas là que je devais arriver nécessairement. Et avec tout ce que je me suis efforcée à faire, à un moment, j'ai simplement senti « Dieu, utilise-moi ». Dans le cheminement ici, qu'est-ce qu'il nous est dit ? La puissance qui nous est donnée, dunamis, on entend quoi dans dunamis ? Dunamis, 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 vous entendez quoi ? Dynamite. On entend dynamite aussi, mais la dynamite, ça n'existait pas à cette époque. Hein. Non. Ici, Pierre parle de quoi ? Il parle d'une dynamique. Ici, il parle d'une puissance divine, d'une dynamique divine. Quand nous connaissons Jésus-Christ et que nous disons que nous le suivons, alors toute notre vie change. Mais qu'est-ce qui est plus merveilleux ? Qu'est-ce qui est plus merveilleux ? C'est que quand on devient participant, vous savez ce que ça veut dire ? On devient des camarades, des compagnons, on partage tout, on est des associés. On devient des associés dans cette puissance divine qu'il exerce. Et qu'est-ce qu'il nous est dit encore ? Parce que si c'était si facile. Mais il nous est donné la ligne de conduite. Hein. Fuyez tout ce qui n'est pas moralement bien, la corruption. Tout ce qui n'est pas bien moralement, fuyez-le. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit ? Tout ce qui pourrait vous causer de la convoitise aussi dans le monde, fuyez-le. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi ? Exercez la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Parfois, ça peut être dur avec les frères et sœurs ou avec des camarades. Pourtant, ça en fait partie. La patience. La patience, c'est quoi ? C'est la persévérance. J'attends, j'attends, j'attends. Même si pour le moment, ça ne vient pas, mais j'attends. La piété, un mot qu'on utilise souvent, mais ça veut dire la révérence, en fait. C'est pouvoir reconnaître, j'ai un Dieu tout-puissant. Il y a un Dieu qui est tout-puissant. Et quand j'ai un Dieu tout-puissant devant moi, mais je le contemple et je me dis, waouh, waouh. Et là, on monte progressivement. Alors que vous serez arrivé à ça petit à petit, alors que les choses soient bien claires. Vous savez qu'il y a des adultes qui n'ont pas fait encore ce cheminement. Vous le savez, les jeunes ? Vous savez qu'il y a des adultes. Là, on a dit donc de fuir la corruption. Certains sont toujours dedans. Qui existe dans le monde de la convoitise, donc ça en passe. Donc de pouvoir avoir de la vertu, donc avoir des pensées qui vont se diriger vers ce qui est bon, de rechercher la science, de pouvoir s'intéresser aux choses, d'avoir de la maîtrise de soi. Il y a plein d'adultes qui n'ont pas ça. Hein. Vous savez qu'on est tous au même niveau, là. On doit tous être dans le même cheminement. Donc ce que Pierre dit là, c'est pas uniquement pour les adultes, c'est pour nous tous. Nous sommes tous au même niveau et nous luttons tous pour nous dire où est-ce que je vais arriver ? Où est-ce que tu me mènes, Seigneur ? Et qu'est-ce qu'il dit ensuite, donc ? Après la piété, l'amour fraternel, c'est-à-dire entre les frères et sœurs, dans l'Église, dans une communauté, on est censé arriver à cela quand on avance dans ces étapes, qui fait que, parce qu'on aura ça, on arrivera à quoi ? L'amour ultime, la charité, l'amour agapé. Ce sont des étapes progressives. En fait, vous ne devez jamais vous décourager dans tout ce que vous vivez. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit par rapport au pouvoir ? Où je me posais la question et où je me disais que je voulais déplacer des stylos, etc. Quand j'ai découvert le message qu'il y a dans Jésus-Christ, vous savez ce petit nom qu'on utilise, Jésus ? Ce petit nom Jésus. Vous avez chanté quoi tout à l'heure ? De la quoi ? Oui, il y avait quoi comme parole dedans ? De la puissance dans le nom de Jésus, de la force dans le nom de Jésus, de l'espoir dans le nom de Jésus. Juste ce nom Jésus-Christ, juste ce nom Jésus-Christ, quand vous le prononcez, il y a tout un monde qui se met à vos pieds. Est-ce que vous le savez ça ? Quand vous le prononcez, il y a des anges qui sont là à vos côtés. Il y a le Dieu Tout-Puissant qui est là à écouter le moindre mot que vous direz. Amen. À chaque fois que vous le prononcez, que dans votre cœur, vous le vivez, il y a tout
toute l'armée céleste qui est prête à agir pour vous. L'empowerment, quand on ressent en fait et quand on se dit « Seigneur, moi je veux savoir ce que c'est et je veux vivre ça avec toi, t'appartenir et sentir ce pouvoir », il y a vraiment des choses qui se passent. Moi j'ai vu des situations bloquées dans ma vie qui se sont résolues. Mais sachez aussi une chose, c'est que quand ces situations se résolvent, au début, ce n'est pas forcément quelque chose où moi je suis en paix. Parce qu'il y a des personnes qui pouvaient être contre moi. Des personnes qui pouvaient me vouloir du mal aussi. Mais au lieu de rechercher le mal, moi je priais parce que je savais que Dieu allait apporter quelque chose là. Je savais qu'avec ces personnes, on arriverait après à être réconciliés et qu'on ferait des choses bien plus grandes. Dites-vous une chose, on vous l'a répété ce mois-ci, mais retenez-le bien. Il y en a un qui n'est pas du tout content quand on prononce le nom de Jésus. Mais il ne peut rien faire face à ça et c'est Satan. Quand moi je me dis que Satan crée un conflit avec quelqu'un, c'est exactement la personne avec qui je dois travailler. Quand il y a conflit avec une personne, c'est exactement là que nous devons travailler. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de conflit. Il est un Dieu de paix. Donc s'il y a un conflit, c'est que ça ne plaît pas à quelqu'un. Et là, ce n'est pas à Dieu. Il y a des personnes, oui, qui ne seront pas toujours, qui ne vous voudront pas toujours du bien. Mais vous savez ce pouvoir que Dieu exerce petit à petit ? Dieu vous le dira. Mais alors là, ce ne sera pas pour critiquer la personne, ce sera pour continuer à prier pour cette personne. J'ai lu dans un livre une histoire. L'auteur parlait, il parlait du ministère photoshopé. Le ministère photoshopé. Ça veut dire quoi les jeunes photoshopés ? Parce que je pense que certains sont retouchés. Vous connaissez le mot Photoshop ? Ouais, vous connaissez ? Non, pas tous ? Ah oui, ouais, quand même. Certains me regardent en disant, mais c'est une évidence. C'est un logiciel qui permet de retoucher des photos. Alors si vous avez un peu de ventre, vous retirez tout. Hein ? Si vous avez peut-être une petite cicatrice, on l'efface. Si vous avez... En fait, vous pouvez paraître... Les dents, ah oui, les dents. Merci. Les dents, si elles sont un peu jaunes, on les rend blanches. En fait, vous pouvez être une toute autre personne de ce que vous êtes dans la réalité. Et il parlait du ministère Photoshop, parce que regardez une chose. Hein. Ils sont bons aux jeunes. Hein. Est-ce qu'ils sont bons aux jeunes ? C'est le mois de la jeunesse. Au mois d'avril, il se passe quoi ? Au mois d'avril, ils retournent dans leur section. Au mois d'avril, ils sont de leur côté. Nous, on reprend nos places parce qu'il y en a assez là. C'est bon, ils ont assez pris les places devant. C'est bon. Il se passe quoi par la suite ? Encore mieux, ministère photoshopé. On va aller sur les sites des églises, on voit des super photos, des églises dynamiques, on est dans la rue, on donne des pommes, on a des sourires, faites un câlin, on a des uniformes, tout le monde est bien, etc. Et ça, c'est que le samedi. Parce que le reste de la semaine, y a le sable, il y a les graviers, il y a l'eau, il y a beaucoup de choses hein, qui prennent la place quand même. En fait, le ministère photoshopé nous dit quoi ? Si on retirait Photoshop, on retire les photos, on retire les réseaux sociaux, qui est-ce qui sait qu'on est là ? Qui est-ce qui sait que votre église, parce que vous nous visitez peut-être, est là ? Est-ce que dans la communauté, on nous connaît ? Ministère photoshopé, nous ne voulons pas ce genre de choses. Les jeunes, nous avons vu, vous nous montrez, vous avez de grands dons. Et il y a des choses que Dieu et que Jésus exercent à travers vous qui a une grande puissance. Et ça doit rester à ce niveau-là et croître de plus en plus. Ici, c'est votre église. Ici, je le répète, c'est votre église. Dites-le avec moi, c'est mon église ici. Bah, mon avion pourra vous mettre dehors. C'est comme ça que vous revendiquez, c'est mon église ? Attendez. Est-ce que certains ont un téléphone ? Est-ce que vous avez des téléphones portables ? Vous en avez ? Je peux le prendre et je peux le garder ? Ah non, c'est quoi ? C'est votre quoi ? Ah, c'est mon téléphone, hein ? Non mais ici, c'est votre église, dites-le plus fort ! C'est mon église ! C'est mon église ! Encore plus fort ? C'est mon église ! Et dites-le à tous les adultes ! C'est mon église !
église, oui, c'est mon église. Et ici, ici, Dieu, ici, Jésus veut prendre ce pouvoir en chacun de vous. Mais les adultes, maintenant, ici, et même quand vous êtes de passage, hein, parce que vous êtes partout à la maison quand vous passez, ici, c'est quoi? C'est mon? C'est comme ça que vous le dites? Oh là là, vous aussi? Alors là, les enfants, ils vont prendre l'église sur vous, hein, ça c'est sûr. Hein. Les adultes? C'est notre église, oui. Jésus nous a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le consolateur ne vient, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, vous le verrez. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Satan a déjà été jugé. Jésus est parti, certes, mais il nous a donné une chose, le Saint-Esprit. Et quand on parle de empowerment et de pouvoir, c'est ce pouvoir que le Saint-Esprit veut mettre en chacun de nous. Mais si en nous, nous avons trop de sable, trop de gravier et trop de choses, mais le Saint-Esprit qui est ses balles de golf ne peut pas prendre cette place. Nous avons besoin de lui dire, prends ta place dans mon cœur. Saint-Esprit, prends ta place dans mon cœur. Et vous savez ce que ça change pour vous? Ça change une chose. Je ne me questionne pas pour l'estime de moi-même. Est-ce que j'ai de l'estime de moi? J'ai le Saint-Esprit. J'ai déjà tout. Est-ce que j'aurai un travail plus tard? J'ai le Saint-Esprit. Il va me guider. Est-ce que j'aurai des amis même? Ou pourquoi ça se passe comme ça avec mes amis? Saint-Esprit, montre-moi. Est-ce que dans cette situation-là, je vais m'en sortir et avoir mes examens? S'il t'a dit de réviser et que tu ne l'as pas fait, tu sais déjà ce que le Saint-Esprit te réserve. Et encore, et même dans ces circonstances, il est arrivé in extremis qui donne aussi, face à un cœur repentant. Quand on a le Saint-Esprit, on a tout. C'est pour ça que, commencez dès maintenant à le demander. Vous savez, on me disait, et j'en discutais avec une personne, elle me disait, oui, mais... C'est vrai qu'on devrait éviter de donner des postes à des personnes qui sont trop jeunes. Est-ce que ça, c'est biblique? Parce que dans la Bible, dans ce cas, Daniel n'aurait jamais été utilisé. Joseph n'aurait jamais été utilisé. David n'aurait jamais été utilisé. Esther n'aurait jamais été utilisée. Marie ne serait jamais devenue la mère de Jésus. Dieu prend les cœurs qui veulent se laisser façonner par lui. Et très souvent, c'est quand on est jeune que Dieu peut avoir le plus d'influence sur nous. Mais qu'est-ce qui se passe? On veut faire comme les autres après. Si nous avions compris ça très jeune, pour certains d'entre nous, levez la main les adultes, ceux qui auraient aimé comprendre ça bien plus tôt et qui auraient fait des cheminements bien différents dans leur vie avec Dieu. Et moi, j'en fais partie, hein. Ah, si nous avions compris le pouvoir qu'il peut déverser sur nous en demandant maintenant le Saint-Esprit, vous savez, c'est comme une course, hein. Au début, vous partez en sprint, vous ne savez pas combien vous êtes. Vous ne savez pas si vous êtes le premier, le dernier, le quatrième. Vous courez simplement. Et bien, c'est la même chose, là. Vous demandez le Saint-Esprit et vous faites tout dans votre vie, petit à petit, pour que les choses se fassent, pour que vous puissiez le comprendre, que vous puissiez l'entendre, que vous puissiez voir ce qu'il fait dans votre vie. Et quand vous aurez fait un cheminement, à un moment, vous vous retournerez en disant « Waouh, c'est ça qui s'est passé dans ma vie ?» Oui, et c'est ça qui doit et qui va se passer dans votre vie. Une dernière chose. En France, en 2014, on recensait 15 suicides pour 100 000 personnes. Près de 9 000 suicides par an. Près de 9 000 suicides par an, et notamment entre des jeunes de 15 à 24 ans. Les raisons? Le manque de connaissance de soi. On ne se sent pas valorisé, on ne se sent pas assez important. Ou la qualité de vie n'est pas nécessairement la bonne. Je n'arrive pas à réaliser mes rêves. Je n'ai pas les amis que j'aurais aimé avoir.
ma vie n'avance pas comme elle devrait. 9000 suicides enregistrés par l'organisation l'Observatoire national du suicide. Quand nous comprenons ce que ce Saint-Esprit et ce pouvoir qui est entre nos mains, ces puissances qui s'exercent lorsqu'une personne dit qu'elle veut mettre fin à ses jours, c'est quelque chose où là, Satan a pris le contrôle. Si je sais que je suis une créature de Dieu, quand le Saint-Esprit parle en moi, je me rends compte de la valeur que j'ai aussi précieuse pour chaque seconde. Comme je le disais dans la sacristie, et on en parle avec les jeunes, chaque souffle de vie que j'ai, chaque respiration a un poids mesuré qui fait que je ne m'étouffe pas. Et ça, c'est un miracle encore. Chaque petit sourire que vous avez est un miracle encore. Et on ne doit rien laisser dans notre quotidien venir pour ternir ce miracle. Aujourd'hui, quand nous entendons ce message, et avec tous les messages qui ont été faits aussi avant, et même si ce n'était pas dans cette église, vous en avez entendu à d'autres endroits. Jésus nous dit qu'il veut déverser cette puissance sur nous et sur chacun de nous, aussi petits que nous soyons. Il veut déverser cette puissance et nous aurons des choses à accomplir. Même nous, nous pourrons parler à des adultes. Nous croyons que vous êtes vraiment inspirés, notre jeunesse. Et vous l'avez montré lors de l'après-midi sur l'éducation. Vous voulez plus d'études. Vous voulez qu'on vous parle sérieusement de Dieu. Vous voulez qu'on vous apprenne qu'est-ce que c'est que l'adventisme pour pouvoir en parler aux copains. Vous avez été clair. Et c'est comme ça que vous devez continuer. Laissez Dieu vous guider. Mais demandons, et pas simplement pour nous, simplement, mais pour même nos parents, pour les adultes, pour l'Église, vous avez ce pouvoir d'exercer sur nous aussi, de demander ce Saint-Esprit. Empower. Un pouvoir qui confère autorité, mais capacité. Nous ne recherchons pas le pouvoir du monde qui donne un statut. Nous recherchons ce pouvoir qui délie les puissances, qui permet de délivrer quelqu'un de la peine, de cet esprit suicidaire, de peut-être cet accablement professionnel, de ce harcèlement, ou alors même à l'école, du fait que je ne réussisse pas ou que je n'ai pas les amis que je veux. Nous parlons d'une libération totale. Et il y a un chant qui va être chanté. Alors que ce chant sera chanté, j'aimerais que nous puissions penser à ce vase. Et est-ce que réellement aujourd'hui, nous nous disons qu'il y a un pouvoir, une puissance que nous laissons prendre place dans notre vie. Est-ce que cette puissance, nous la laissons prendre place dans notre vie? Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne laissons pas trop l'égoïsme, nos petits problèmes, nos justifications personnelles, nos désirs personnels, prendre le pas sur ce que Dieu veut accomplir dans notre vie? Parfois, des jeunes me demandaient, mais il faut être grand pour se baptiser. Il faut avoir compris une chose pour se baptiser. Jésus, c'est l'essentiel dans ma vie. Et lui, il fera le cheminement progressivement. Si nous étions parfaits quand nous nous étions baptisés, vous verriez bien qu'il n'y aurait pas de dispute entre les adultes. C'est pas vrai, ça? Ah, ils rigolent, là, les jeunes. Hein. C'est un cheminement, une croissance. Et nous sommes là pour vous accompagner. Écoutons ce chant et ensuite nous ferons un appel. Alors on va vous inviter à chanter le chant qu'on a pris tout au long du mois de la jeunesse, « Tu peux naître de nouveau ». Thank you.
ceux qui n'ont jamais fait leur engagement avec Dieu, qui ne sont jamais passés par le baptême. Si là, ce matin, tu te dis, moi, je veux prendre cet engagement. Je veux me dire que je voudrais être baptisée et que Dieu prenne le contrôle dans ma vie. Si là, tu te dis, on continuera à vous accompagner, parce que ça ne se fait pas comme ça, c'est pas samedi prochain. Mais on continuera à vous accompagner. Mais si là, tu te dis, je veux prendre cet engagement, lève-toi à la place là où tu es. Lève-toi à la place là où tu es. Si tu veux prendre cet engagement de suivre Jésus, lève-toi là où tu es. Nous avons déjà eu des messages. Nous savons ce que ce Jésus peut faire. Mais nous ne pouvons pas laisser sans arrêt ces messages passer sans nous positionner. Et là, si tu veux prendre cet engagement, lève-toi. Lève-toi là où tu es, ou comme tu le fais, viens nous rejoindre. Amen. 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 On va reprendre Amen. Le chant. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Venez nous rejoindre ceux qui souhaitent faire cet engagement de baptême. Cet engagement de baptême. Amen. 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 De tout notre cœur à Christ. Tu peux Amen. Naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Facile de s'engager. Mais ils se sont levés. Et je sais qu'il y en a d'autres qui sont assis et qui hésitent et qui se disent mais moi je voudrais mais non. Non, je suis pas encore prêt là, je suis pas encore prêt. À cet instant, je te le demande, si Jésus revient maintenant, est-ce que tu vas lui dire laisse-moi encore un petit peu un temps sur terre. Juste le temps que je me prépare. On n'aura pas d'excuses face à ah, mais l'église, elle est comme ça. Ah, mais je comprends pas ce qui se passe là. Là, nous parlons de veux-tu suivre Jésus-Christ? Et si vous nous regardez aussi sur Internet, cet engagement, c'est aussi pour vous. Parce que là où vous êtes, prenez cet engagement de vous dire, moi, je veux suivre. Je veux le suivre et je veux qu'il prenne le contrôle dans ma vie. Parce que nous avons parlé d'empowerment. Et l'empowerment, c'est bien ça, c'est se dire que aujourd'hui, j'ai tout. J'ai tout parce que ce Saint-Esprit se déverse sur moi et que je me libère, comme le chant le disait, du poids du péché. Je me libère de mon passé. Je me libère de tout ce qui essaye de m'accabler. Je me libère et même si ces attaques arrivent, Odelle l'a dit, elles viendront, mais nous faisons face. Wilfried l'a dit, nous allons nous libérer des addictions. Godwin nous en a parlé aussi. Nous allons questionner nos traditions et prendre les bons choix, faire les bons choix. Et le choix, là, il se fait maintenant. Est-ce que tu ouvres les portes? Est-ce que tu te libères de tout ce sable et de ce gravier pour laisser la place à ces balles de golf qui ont le plus d'importance? Elles ont une portée éternelle. Si vous voulez nous rejoindre, venez nous rejoindre ou levez-vous là où vous êtes. Si vous ne voulez pas venir jusqu'ici, levez-vous là où vous êtes. Mais prenons cet engagement. Prenons cet engagement. Parce que c'est comme lorsque vous signez. Si vous ne signez pas un contrat, si vous ne signez pas votre contrat de travail, vous ne commencerez jamais le travail. Si nous ne signons pas le contrat avec Christ, nous ne pouvons pas recevoir ce qu'il veut déverser sur nous. Prenons cet engagement. Je vais inviter maintenant, et les autres pourront toujours se lever, même après.
J'aimerais inviter ceux qui ont déjà fait un engagement. Tati Doris, tu t'es déjà levée, tu sais déjà. Ceux qui ont déjà fait un engagement, mais qui souhaitent renouveler cet engagement. Qui souhaitent se dire, Saint-Esprit, prends le contrôle, déverse ta puissance sur moi. Je ne suis plus les voix de ce monde, mais je te suis toi, Saint-Esprit. Je choisis de me positionner, renouvelle mes pensées pour qu'elles soient pures. Renouvelle mon être pour qu'il soit convaincu de toi. Que je ne me conforme pas au monde, aux disputes de ce monde, mais que je déverse ton esprit. Vous savez, pour beaucoup, je crois que ce message sera un message de plus entendu. Certains se diront, ouais, mais c'est beau tout ça, mais ça se passe pas réellement que comme ça. La puissance du Saint-Esprit, c'est quand nous décidons de nous engager qu'elle prend le contrôle. Et quand Jésus reviendra, je le répète, nous ne pourrons pas avoir l'excuse de « mais l'Église était comme ça et je ne partageais pas totalement ce qu'elle disait. » Parce que lui, il a donné sa vie pour cette Église. Il a donné sa vie pour Puise de Pontoise. Et comme le disait un de mes collègues, vu comment parfois nous gérons nos Églises, il y a vraiment un Dieu tout-puissant qui maintient l'Église parce qu'elle est toujours là. Ce Dieu est tout-puissant dans nos Églises et nous devons lui laisser la place pour qu'il puisse prendre le contrôle totalement et accomplir réellement ce qu'il veut faire. Reprenons ce chant. Ceux qui voudront se lever, levez-vous. Et après, j'inviterai l'ancien à pouvoir prier par rapport à tous ces engagements qui ont été pris, de laisser le Seigneur prendre le contrôle en nous. Empower us et guide nous. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer. Tu as lancé ton appel. Tu as parlé au cœur de tout un chacun. Tu voudrais que tous, nous soyons des acteurs majeurs dans la vie, dans notre vie, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit, Seigneur, partout où nous sommes, que ce soit dans cette église, dans notre église. Et pour ceux qui nous suivent sur le net, quel que soit dans l'endroit où nous sommes, tu veux que nous soyons, Seigneur, à la pointe. Que nous ne soyons pas la queue, mais que nous soyons la tête. Amen. Cet appel, Seigneur, encore et encore,
toi qui sais toutes choses, tu voudrais que tous nous parvenions, Seigneur, à cette liberté, à cette vie éternelle qui nous tend les bras. Ô Seigneur, nous avons le désir, nous avons la volonté, mais nous sommes comme scotchés à notre place. Nous avons toujours du mal, Seigneur, à nous décider. Alors, Seigneur, que nous voyons tout autour de nous que le monde s'écroule. Nous voyons, Seigneur, la misère. Nous voyons les guerres. Nous voyons tous ces cris. Nous voyons la haine, même cette haine, Seigneur, qui sent en nous. Alors que nous voulons faire le bien, le mal s'attache à nous. Alors que nous voulons te suivre, Seigneur. Eh bien, nous sommes comme freinés dans notre ardeur. L'ennemi se joue de nous, Seigneur. Tu nous appelles à nous réveiller. Tu nous appelles à faire un saut, un pas avec toi, afin, Seigneur, que nous soyons tous avec toi le jour où tu reviendras. Père, cet appel que tu lances encore ce matin, il y a beaucoup qui sont indécis. Il y a beaucoup, Seigneur, qui se posent encore des questions. Mais est-ce que nous avons encore le temps de nous poser des questions? Tu as choisi, Seigneur, la bonne part pour nous. Tu as choisi ce qui est bon. Donne-nous, Seigneur, l'entendement facile afin que nous puissions comprendre que ce que tu nous dis, cet appel que tu as lancé par le biais de ta servante, c'est parce que toi, Seigneur, tu as l'expérience, tu connais la fin avant le commencement. Tu sais toutes choses, Seigneur. Et tu voudrais que nous parvenions tous, Seigneur, à cette vérité, à cette réalité. Car nous vivons dans un monde virtuel. Ce monde, Seigneur, est en train de se fondre. Ce monde est en train, Seigneur, de s'anéantir. Et si nous restons scotchés, si nous restons à notre place, si nous ne nous décidons pas, eh bien, nous allons tous périr avec ce monde. Ce n'est pas ce que tu veux pour nous. Mais tu veux que ton amour puisse être dans notre cœur. Tu veux, Seigneur, que nous puissions regarder l'autre avec les yeux de Jésus. Donne-nous donc, Seigneur, assez de foi. Donne-nous donc assez de maîtrise de nous-mêmes. Assez, Seigneur, de vertu spirituelle afin que nous puissions voir ce qui est invisible, afin que nous puissions sentir ce qui est bon et afin que nous puissions partager avec tout un chacun ce salut que tu nous offres. Seigneur, bénis, Seigneur, encore une fois de plus, tous ceux qui ont décidé de faire ce pas avec toi. Et bénis ceux, Seigneur, qui sont encore dans cette attente ou bien qui sont encore indécis, afin qu'ils puissent, Seigneur, bouger avec toi. Ô Seigneur, merci. Merci pour cet appel. Et merci de nous avoir permis d'entendre. Et merci de nous tenir par la main et que nous puissions tous avancer, car nous sommes tous levés comme un seul homme, parce que nous savons que cela vient de toi. Seigneur, que tous soient présents quand tu reviendras, que tous puissent te glorifier dès maintenant dans leur vie, et que tu puisses, Seigneur, tous nous enlever avec toi, car tu veux tous que nous soyons avec toi pour l'éternité. C'est en Jésus que je t'ai prié. Amen. Thank you.
Nous sortirons et je demanderai donc aux personnes qui ont répondu, s'il vous plaît, de revenir un peu après. Je reviendrai pour juste discuter avec vous. Je vous demanderai de revenir donc alors que nous serons sortis après. Je reviendrai. Recevons la bénédiction. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans et pour une éternité. Que le Seigneur te donne sa paix, qu'il brille sur toi, qu'il déverse son pouvoir, sa puissance, son autorité en abondance sur toi, et que chaque jour, son nom, Jésus-Christ, soit gravé en toi et resplendisse sur chacun. Allons en paix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les cieux proclament.